Shadow. Alors, où est-ce qu'on en est avec Shadow? Bon, Shadow est au sol. C'est ça. Bah, il va Eh se ben, des relever. chevaliers qui servent des formes du mal, des forces du mal, c'est pas bien. Attends, ils sont là, ils sont dans le coin, les chevaliers, ou pas? Ben, c'est eux les chevaliers. Cavalier. Deux cavaliers. Oh, ouais, mais. Ah, on verra après. J'ai le temps de les voir. Est-ce qu'ils sont habillés comme des chevaliers? Bon, ils sont en armure. Attends, hop, je te dis ça. L'armure qu'il porte, tac, côte de maille de maître, écu de maître et lance d'arçon de maître. Mais est-ce qu'ils auraient un tabard qui dit qu'ils sont du chevalier du lion, par exemple? Non. Ouais, mais là on est d'accord que là, par contre, si je me relève, J'ai compris. je prends deux attaques d'opportunité ou pas? Ouais. Oh putain. Ah, je peux rien faire mec, en vrai avec mon loup. Là, en effet, il faut mieux que ton loup joue la montre pendant que Alexis Va le récupérer. fait le bouclier. Suis en train de réfléchir à un truc. Là, on est tous à l'intérieur, on est d'accord? Non, Alexis, encore dehors. Oui, il reste qu'Alexis dehors. Alexis et ton loup. Et ton loup, Ouais. en effet. Accessoirement. Et il y a ce Ricard en bas. Non, mais Soriké, il est en train de se planquer, donc Soriké, il est safe. Soriké, tout le monde s'en moque. Il est safe, ça a une durée de vie, hein, une potion. Hein. Donc, Ouais, enfin, ouais, potion d'invisibilité, tant que je crame pas ma couverture, je suis tranquille. Non, regarde combien de temps est dure ta potion d'invisibilité. Pas tant que ça, parce que je crois que tu dois avoir que 3 rounds. Bah ouais, j'ai Oh, un ah truc merde, comme ah ça. putain, dans D&D c'est beaucoup plus long que ça. C'est ton dernier là, si je me trompe pas. Ok, Alors. non mais c'est bon, de toute façon j'ai pas besoin de plus. Voilà. MJ, est-ce que je peux avoir une discussion avec toi en 30 secondes vite fait pour parler d'un truc, savoir ce que je compte faire avec Shadow? Ça marche. On se met en 2-2 sur le privé. Ouais. En vrai, Je t'entends pas. tu m'entends pas? Ça va, ça va, ça va. En vrai, Shadow, il a toujours été protégé par Alexis. Et là, enfin, il n'est pas con, mon loup, hein. On est d'accord qu'il a une certaine intelligence quand même. À 3. D'accord, oui, mais c'est une intelligence de chien, de loup, enfin Bah oui, ça, ouais, c'est d'animal. Et comme un en fait, animal de compagnie, quoi. Enfin. je suis en train de me dire qu'en fait, Shadow, ce qu'il ferait de façon logique, tu vois, parce que c'est pas un humain, justement, il n'est pas en train de se dire, ma vie est en jeu, juste il veut protéger en fait les gens qu'il aime, tu vois. Et en fait, ben, je pense qu'il va se lever pour prendre les attaques d'opportunité pour protéger Alexis, en fait. Enfin, moi, ça me semble légitime dans le sens, dans la psychologie de mon loup, tu vois. Même si c'est pas la psychologie de Dagen, parce que Dagen, il veut que son loup survive, mais le loup, lui, il va protéger Alexis, tu vois. Après, même sans parler de ça, enfin, ton loup est pas forcément conscient des attaques d'opportunité. Oui. Si tu le guides pas. Donc il peut se relever sans faire attention aux attaques d'opportunité. En tout Ouais, cas, mais t'es là, intérieur, donc t'es Je ne dis il... pas en fait, c'est pas genre dire attention, bouge pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Et donc instinctivement, ton loup pourrait se lever pour Bah ne serait-ce écoute, que. je vais la jouer comme ça. Ça va me faire chier parce que mon loup va mourir, mais je vais la jouer comme ça. Ça marche. Retourne sur la discussion vocale. Héros.
Jérém? Ah, il est en cours de connexion. Ouais, c'est bon, je suis là. Ok. Donc, Shadow. Eh ben écoute, Shadow se lève pour protéger Alexis. Mais non! Putain, mais tout ce que je me fais chier pour le sauver! Mais non! C'est un animal. Donc 22. Alexis, il est intouchable, mec. Bon, en fait, c'est qu'un chien, enfin, c'est calou. Je comprends pas tout le temps que j'ai passé à le sauver. Oui, mais justement. Donc 8 points de dégâts. Juste 8. Et donc le deuxième ne fait pas attaque d'opportunité, pas de raison, lui est tombé. D'accord, donc là j'ai pris 8 points de dégâts, c'est ça? Ouais, donc t'es à moins 4. Okay. Donc il se relève pour retomber. C'est ça. Kalamba! Arbalétrier. Tac. Donc bah sur Alexis du coup. Pourquoi il a pas tiré le tour d'avant lui? Il y a bien 3 arbalétriers. Ah bah là il y a 3. C'est bizarre. Donc arbalète lourde contre Alexis. 23. Non. Balance suivante. Eh bien. Ça. 1. 2. 3. Positionne là. Il y a un mur là. Et il met un coup de bouclier à Endris. Il y a un mur, non? Il est dans la baraque là. Non, il se met devant la porte. Mais la porte, elle est pas là. Ah, il va m'empêcher de rentrer. Et donc il arrive là, il met un coup de bouclier à Endris. Eh ouais, je peux plus rentrer. Bon bah voilà. Pour toucher, et 12 points de dégâts. Putain, un gars va tout casser, tout notre plan. C'est anormal, hein. Hein? C'est sur la CA, c'est ça? Ouais. C'est pas un coup, ok. Mais la porte, elle était pas là? Non, la porte, elle est là depuis tout à l'heure, vous êtes là. Ça passe. Donc 12 points de dégâts. Eh, c'est à Alexis. Bah, je peux plus rentrer, moi. Va sur le côté. En effet, t'es un peu bloqué. Va sur le côté. T'as celui-là, il a pris l'attaque de pompier. J'ai envie de dire, avec de l'acrobatie, tu pourrais passer, mais ton armure va peut-être te déranger là-dessus. Acrobatie. Acro quoi? L'invisibilité, c'est une minute par niveau. C'est une minute par niveau, ah ouais, donc ça va être large. Eh bien, je pense que je vais prendre le loup. Il n'y a pas de fenêtre, là. Si, attends. Regarde sur la carte. L'autre côté. Tac, tac. T'avais dit qu'il y avait une fenêtre là. Non. Bon, après, c'est pas tout à fait là, pareil, mais... Et là. Ouais. T'as deux murs qui ont des fenêtres, donc les deux murs de derrière. Je vais prendre le loup. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis je prends les attaques d'opportunité que tu veux. T'en as une de moins parce qu'il y a le loup qui a pris une attaque de cavalier. Donc t'emmènes le loup avec toi, c'est ça? Ouais, j'emmène le loup avec moi. Donc tu te prends une, deux attaques d'opportunité. Voilà. Tac. De qui je prends une attaque d'opportunité? Phalange qui est derrière toi. Je fais que fuir, donc... Non, tu ramasses le loup. Ah oui, je ramasse le loup. Bah oui, vas-y, deux attaques. Tac. Et un cavalier, celui qui a pas fait attaque d'opportunité encore. Donc le phalange, il te touche pas. Et le cavalier... Tac.
Donc le cavalier, ça ne te touche pas non plus. Non, voilà. Donc lui, 19, il est en train de dormir. Donc c'est à Dagelen. Ah bah la boule de feu, elle vient là. Hein. Rentrer de la porte. Hein. Attention, fasse son mouvement. Moi je bouge pas, mais du coup je mène ma boule de feu ici. Ouais, faut que tu fasses son mouvement du coup. Elle a combien de mouvements? Ok, c'est bon. 9 mètres, non, attends. 9 mètres, c'est 6 cases, donc c'est pas... tu peux pas. Putain. Attends. Mais non, tu peux pas, parce qu'il faut que tu contournes les mecs. Soit tu la fais passer sur les gars, sur le phalange qui est là. Ouais, mais du coup, ça les arrête. Ça arrête la boule, c'est ça? Ça arrête la boule. Soit tu la mènes jusque là en faisant le tour. Bah donc elle est devant la porte, mais elle empêchera pas celui qui est dans l'encadrement de la porte. Bah on va l'amener là, hein. Et puis... Zormi qui l'a pété la fenêtre, c'est ça? Ouais. Ah putain, je peux plus parler, je suis en smiloton. Bah j'amène la boule là, écoute. Ok. Comment un connard qui agit au bon moment nique un plan? Donc... ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah. Pour l'instant, je m'arrête là. Attends, juste petite question. Du coup, c'est, on est d'accord que ma boule de feu, pour la déplacer, c'est une action de mouvement, c'est ça? Ouais. Donc j'ai quand même une autre action, en fait, en vrai. Oui, bien sûr. Que j'ai quand même des sorts en fait. Bah du coup. Non, tu peux même faire un pas de placement, une attaque sur le mec. On est d'accord que. Alors, j'ai utilisé sphère de feu. Est-ce que si j'utilise appel des pierres, ça annule mon sort? Non, c'est pas un sort de concentration, ouais. Appel des pierres. Non, en effet, c'est pas la concentration. Eh ben, niquez-vous. Bam! Appelle des pierres là dans toute la zone pour les toucher jusqu'à lui. Et en terrain, du coup, en terrain difficile. Ouais. Putain, la vache, mon ordinateur il galère. Hein. Quelqu'un qui respire très fort dans son casque. C'est Yann. Et du coup, ça le réveille. Et par contre, petite question, ils sont sur des chevaux. Ça touche aussi les cavaliers? Bah j'essaie de me démerder pour que ça touche une zone où ça touche, ouais, tout, enfin le maximum de gars. Et ils sont... Que les chevaux aussi sont touchés dans ce cas. Et il va, enfin, je sais pas, ils vont pas faire un test d'équitation pour rester sur un chevaux. Les chevaux de guerre, donc. Pas le jet d'équitation. Pardon. Je vais mettre mes dégâts à tout le monde. Ah. Hop.
Alors. Tac, 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 ok. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Alors, tac, tac. Pas de soucis, les cavaliers restent en selle sans problème. Sauric, t'as fait ton déplacement. Donc, t'étais jusqu'au chevaux, c'est ça? Ouais. Hop. Pas loin, je suis. Andris, par contre, ils sont en déplacement, enfin, ils sont en terrain difficile du coup maintenant. Ouais, bon, ça change pas grand chose, il a fait deux cases. Je. Eh ben, je vais lancer Sommeil sur celui qui est en face de moi. Quitte à... Et je sais pas d'ailleurs si sur les maléfices. Je... Maléfice. Aussi un peu de mal. Hop, les maléfices. Tu ne prends pas d'attaque d'opportunité, donc pas d'attaque d'opportunité sur maléfice. Ok. On se met sur celui qui est en face de moi avec maléfice mythique. Du coup, ça fait quoi le maléfice mythique? Il s'endort un tour. Et Donc même s'il réussit, il dort un tour, c'est ça? Il dort un tour et s'il réussit, c'est tout. Sinon, il dort 7 tours. Ça buguait. Sinon, il dort 7 tours de travail. Oui, t'as DD 17. Tu peux lancer ton DD 17 maintenant. Ouais. Et il sera forcément affecté un tour. Donc, DD 17, c'est réussi. Donc, il dort au moins un tour. Ok. Et je vais me déplacer. Peut-être. C'est bon. 0, 1, 2. Tu peux sortir si tu veux. Sortir. Bah là, regarde. Hop. Ah, tu peux venir. Parce que c'est armé qu'il a déjà pété la fenêtre. Ouais. Vas-y. Les gars, c'est courage. Pion. Cavalier. Donc. C'est celui-là. Les bras. Tac. Cheval, c'est combien de cases déjà? 8.
Un cheval, c'est 8 cases, 12 mètres. 8 cases, ouais. Il est en terrain difficile. Pas en... Ouais, ah, pas en terrain difficile, ouais. 4, 5. Il arrive là. Sa première action, deuxième action, du coup. Bon, écoute. Deuxième action, il se met à portée d'attaque. Hein. Enfin, première action de mouvement. Et ensuite, action simple transformée en action de mouvement et permet de venir, de venir se mettre en position d'attaque. Arbaletrier. Hop, viens se mettre là. Phalange suivante, donc 1, 2, 3. Quatrième tour là, c'est ça? Donc, action de mouvement à crier. Ensuite, 1, 2. Bien jusque-là. Tac. On va être suivant. Lui. 2. Et c'est à Zormuk. Je regardais les actions simples. Boire une potion, c'est une action simple. Mais boire plusieurs potions, c'est possible ou... Tu peux pas. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai que des petites potions de soins. Ce que j'ai envie de faire là, c'est que vu que bon, la fuite a l'air un peu lente, je vais rester sur place et je vais prendre deux potions de soins. Je peux pas. Je fais deux actions. Non, ça je peux pas. Non, c'est une action simple, une action de mouvement que tu peux faire. Ah ouais, une mouvement, tu peux pas le mettre en potion. Non. Alors, ça va être juste une action simple d'une potion, une des 8 plus 1. Au moins j'aurais limite, plus. Mets-toi pour la retraite pour Dolexi. Hein. Parce que moi je vais en Smilodon, je vais vite. Ouais. Mais moi je vais vite aussi. Là-dessus. Couvre la retraite d'Alexi. Ouais. Ouais, parce qu'en plus là, il y a une falaise. Là il peut pas passer ici, là, sans. Il y a un... Bon, c'est pas une falaise, mais le dévers est suffisamment important pour pas pouvoir passer. On peut pas passer. Un test d'escalade. Du coup, ouais, donc je me dirige vers Alex. Ouais. Enfin, lui, il va être aussi en train de fuir là. Il y a des choses qui vont changer, t'inquiète pas. Du coup, donc là, je fais. Moi, je peux aller jusqu'ici. Je vais plutôt aller là-dedans, ça a l'air marrant. On va se planquer. Je vais me mettre là. La fenêtre, elle compte pas comme... Enfin, c'est bon, tu m'autorises à venir là. Ouais, vas-y, pas de soucis. Voilà. Donc, je me mets là, j'espère pas être trop loin. Bah écoute, je me mets là. Voilà. Comme ça, j'ai encore les autres à vue. Ok. Donc, hop, le cavalier restant. Ok. 1, 2. Toujours terrain difficile. Ah ouais, c'est pour ça. Il s'arrête là. Tac. Et du coup, il reste une action simple. Et
donc sur Alexis. 25 pour toucher. Non. À Shadow. Bah, il fait son test de... Hop. De vigueur. Donc, DD 14, si je me trompe pas, là. C'est quoi ? Ouais. Donc, c'est bon, stabilisé. Tac. Arbalétrier suivant. Lui. Par là-bas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il s'arrête là. Hop, phalange suivant, lui. Tac. Donc c'est son tour où il dort, hein, c'est bien ça. Mmh. Hop, à Alexis. Alors, ils ont droit chacun à une attaque d'opportunité, puisque je fais ça. J'appelle le loup avec moi. Mais comme je compte le soigner... Ils ont droit chacun une attaque de l'opportunité. Ok. Voilà, toi. Hop. Non, c'est pas le bon. Hop. Et voilà. 1, 2. Donc 22 et 31. Ah bah, le 31 touche. Donc 9 points de dégâts. Ok. Alors moi j'utilise un point mythique pour récupérer un sort de niveau 3 et pour et je mets un point de bénédiction mineure pour faire x 50%, donc 3d8 plus 7 avec 50%, 24 plus 12, 36 points je rends au loup. C'est mieux que tout à l'heure, c'est clair. C'est un plaisir. Ouais, y a pas de... c'est deux fois plus, en fait. Ouais. Bon, t'as 32 points de vie. Voilà, et le loup est... peut maintenant bouger tout seul, hein. Il est grand, hein. Il va... Yes. Il va pouvoir te protéger. Donc tu récupères 36, c'est quand même pas mal, 36. Et donc, hop, là-bas derrière. 1, 2. Là-bas, il gêne. De toute façon, il passe son tour à gueuler. Daguilen. Alors, moi, dans un premier temps, bah, pareil, hein, je sors pour la sortie. Tu mute, Charm. Je mute ? Non mais là, mon PC il en peut plus. T'as perdu Jérémy de... Non, non, il a mon PC en train de cracher ses poumons. Non. Non, toujours pas. Pourtant pas. Ciao. Et je reviens dans 30 secondes. Putain, le PC il est en train de cracher ses poumons là. Hop, est-ce que vous m'entendez maintenant ? Daguilen ? Allô, allô, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon, tu es parmi nous. T'as entendu que Shadow avait récupéré 36 points de vie ? Ouais, ouais, j'ai tout entendu. Juste, mon PC est en train de cracher ses poumons. L'action que je veux faire, c'est de sortir. Et alors, petite question. On est d'accord que c'est pas des baraques qui tiennent hyper bien la route, ça, là. Quand même suffisamment. Pourquoi ? Ça. Enfin, j'ai un sort plus pire qui rend le sol un peu instable. Est-ce que ce serait pas déconnant que la baraque se casse la gueule ? Non. Non, non, c'est. Non, c'est pas juste de la chaume, hein. C'est une petite. C'est pas un sort d'éboulement non plus, quoi. D'effondrement. De... Bon, dans ce cas-là. Je me barre, hein. Je suis les autres. De toute façon, il faut pas que je reste là, parce que là, sinon, je vais me faire moi encercler. En plus, je crois qu'en Smilodon, j'ai un peu plus de déplacement. Donc, hop.
Après, je reste Ouais. aux côtés de Shadow, hein, Juste. mais je m'enfuis par le trou comme les autres. Donc, enfin, juste tu regardes par exemple casser une porte de bonne qualité. Attends, non, pardon, j'ai une connerie, c'est pas ça. Ah, donc, une porte en bois de bonne qualité, il faudrait déjà faire 20 points de dégâts. Juste pour casser la porte en bois de bonne qualité. Non, mais en fait, c'est pas faire des dégâts sur le bois, c'est juste changer la face, enfin le sol. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, le sol n'est plus bien placé, Non, alors le sol est dégueulasse, tu vois. Et ouais, du coup, non, non, mais les pierres elles la tombent pierre du elle va pas aller à ciel, terre donc en sur le fait. toit. Elle tombe du ciel, voilà. C'est plus de pierre. T'es bête, hein, toi? C'est en haut que ça coince, c'est pas, c'est en bas que ça coince, Non, pardon. juste j'ai un peu d'imagination, désolé. Donc, tu pars, ok, tu sors. On revient à Sonic. Ok. Juste, désolé les amis, est-ce qu'il serait possible de faire une petite pause parce que mon ordinateur est en train de cracher ses poumons là? Genre de Ouais, 5 ça minutes marche. de temps de faire une petite clope. Ah, Ça marche, pareil. on va finir le tour et puis on fera la pause. Allez. D'accord. Ok. Donc on finit le tour avant, c'est ça? Ouais. Ça marche. Bah moi je vais tranquillement détacher les chevaux. Donc en Et effet, un petit peinard là-bas. bah ouais. Je les détache et bon, je m'annonce quand même auprès d'eux, hein, parce que même si enfin, les chevaux en pleine nuit, ils se fient plus à leur odorat et à leur ouïe. Donc Ouais. le fait que je sois invisible, je pense que ça pose pas trop de problème en soi. Vu qu'ils me connaissent. Ouais, tout à fait. Bah, je vais récupérer mon cheval. Et je vais me barrer avec par là-bas. Enfin par là-bas, je veux dire là. Tu prends que ton cheval? Bah, si Prends je pas peux les prendre autres? les autres, si je peux prendre les autres, je les prends aussi, mais je vois pas Bah, comment tu je prends les peux. rênes, ils vont suivre. Hein. Alors, voilà. Alors, Donc, comment tu veux que je tienne les rênes de 5 chevaux, mon gars? Explique-moi ça. Parce que après, pour le coup, j'étais pas le premier, j'ai déjà réussi avec à de la ramener 3 corde, chevaux en même avec de la temps, mais corde. 5? Ça, tu peux utiliser une corde pour les Ouais, attacher. Bon bah Une corde écoutez, pour si pour vous attacher c'est tes rênes. cohérent, ça me va très Mais bien. par contre, ça te prend un Par peu de contre, temps. il faudrait être discrète, c'est ça en Ouais. fait, parce que ça va mettre du temps hein, Ça, par contre, ça d'harnacher. prend du temps. Ouais, ok, moi de toute façon j'ai au total 7 minutes, donc ça fait 70 rounds. Donc je pense que. Ouais. Dans ce cas, enfin, c'est l'invisibilité, y a pas de souci, mais c'est juste pour chronométrer par rapport aux autres. Ok, bah donc moi voilà. Mais mon action c'est que je vais m'occuper de détacher les chevaux et D'accord. puis les préparer pour les Donc, amener par là-bas, quoi. 1, 2, 3, 5, 8 rounds pour pouvoir partir. T'as une corde sur toi ou pas? Normalement, dans mon sac, j'ai des cordes, ouais. Ok, Parce que donc 8 rounds. j'avais un sac de voleur avec des cordes dedans, donc. Ça marche, donc 8 rounds. Pour détacher les chevaux, les raccrocher, enfin. 8 rounds? Ok, bon, bah, Ouais. du coup, moi, je suis hors jeu pour 8 rounds, alors. Hop là. Moi, je resterai quand même, mais. Donc celui là-haut, hop. Donc, ah, tac, il rentre à l'intérieur, il est plus en terrain difficile. Tac. Donc, hop. Il fait un temps d'arrêt. Attends, j'ai de perception. Attends, Endriss, attends, 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 Alexis attends. et Dagalen. Il s'est pas pris la boule de feu là? Non, il est passé par-dessus son pote. Ah, le T'as dit bâtard. Edris? Endriss, Alexis, Dagalen. Perception. Hop là. Donc très clairement, vous entendez qu'il a tué quelqu'un à l'intérieur. Il a tué quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Endriss, à toi. Il a quoi, pardon? Il a tué Il a quelqu'un tué à quelqu'un à l'intérieur. l'intérieur. Ah, il y avait la vieille et et le barman C'est aussi. pas comme si on pouvait faire grand-chose, hein. Je vais casser le vol. Me barrer plus vite.
Okay. Je vais faire 18 mètres avec ça. Ouais. Yeah. Bon, je peux aller au bord de la map là. C'est assez tranquille pour l'instant. Cavalier. Il te charge, Alexis. Ok. C'est pas comme si j'y pouvais grand chose. Hein. En effet. Charge dévastatrice. Donc 23 pour toucher. Non. Ben, je me demande s'ils ont beaucoup de points de vie, eux. Hop, l'arbalétrier suivant. Lui. Il va combiner le tir de pressing. Et tir de précision, il a. Donc, tac, Dagelen, c'est pour toi. Qu'est-ce qui est pour moi? La flèche? Le tir. Ouais. Putain, le bâtard. Non, pardon, il a fait de double déplacement, il peut pas. Excuse-moi. Phalange, hop, lui il rentre. 1, 2. Hop. Il passe son reste de ronde à gueuler. Métrier. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Tac. Ah, on va pas s'arrêter là. Hop, il va venir là. Ah, c'est tout. Il gueule. Alors, je suis loin. Lui. Voilà. Il gueule. Et il passe son tour. Zormuk, c'est à toi. Bah, je vais rester assez proche des autres. Je me reprends une potion, j'en ai plein. Donc une petite débit plus 1. Et je monte, je sais pas si je peux enjamber ici. Oui, il n'y a pas de soucis. 1, 2, 3. Et ça ira. J'attends là. Ok. Donc lui, hop, il vient jusque là et il attaque Alexis. Là j'ai un couvert là. Un petit plus 4 de la maison. 25% de chance de rater. Non, normalement j'ai plus 2 plus 4. Ou plus 4, mais. Ouais, couvert partiel, c'est 25% ou 20%, je sais plus. Ouais, comme tu veux. Ça revient au même. Hein, bon, après, de toute façon, faut qu'il me touche alors. De toute façon, les 4 points, ça revient. C'est 5% de moins sur son truc. 4 sur le. Sur le jet. Moins 4. Voilà. No problème. Tac. Et donc on va faire une petite pause de 10 minutes. Ouais, merci parce que là mon PC est en train de dire. On fume une cigarette. Voilà. Bon, moi, on prend un 40, il est 32, on prend un 40. Ça roule. Ça me va. A tout de suite. Petite pause, les amis. Hop, let's go. Wouah, putain la vache. Ils vont-ils pas, papa ? En fait, je comprends. Là, il est en train de... Enfin,